par le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'on veut renouveler l'homme. Le vieil homme, on veut le rendre nouveau. Un homme nouveau. On a dit renouvellement. C'est-à-dire, on veut rendre nouveau. Qui? Il y avait un ancien. On veut rendre nouveau cet homme qui soit nouveau. Comment on le rendra nouveau? En renouvelant seulement l'intelligence. C'est-à-dire, l'intelligence, c'est l'homme. Si c'est l'ancien, ça devient l'homme ancien. Mais toi, tu m'as parlé de la lumière. Ce n'est pas l'intelligence. Non, je n'ai jamais entendu. Je n'ai pas entendu ça. J'ai entendu la lumière, j'ai entendu les pensées de Dieu. Non, moi j'ai entendu comme si tu as dit la lumière. Maintenant tu m'as dit, moi j'ai dit, si tu dis la lumière, alors tu as dit la connaissance. Non, tu n'as pas dit l'intelligence, tu as dit la connaissance. C'est pour ça que moi j'ai répliqué, j'ai dit, si tu dis la connaissance c'est l'homme, maintenant la lumière c'est quoi? Voilà, donc tu ne l'as pas dit à la bouche, tu l'as dit dans ton esprit. Mais ce qui est sorti c'est la connaissance. Alors c'est pour ça que j'ai répliqué, j'ai dit, si tu dis que l'homme est la connaissance, alors la lumière deviendra quoi? Amen. Amen. Donc l'homme c'est l'intelligence, tout simplement. Et même les philosophes le définissent tel que l'homme c'est un animal intelligent. L'homme c'est un animal intelligent. Donc ce qui nous différencie nous des animaux, c'est juste l'intelligence. Sans intelligence, tu n'es pas un homme. Tu es comme un animal, comme une bête, il n'y a pas de différence. Donc c'est juste l'intelligence qui te donne ce pouvoir d'être homme. Même nous le disons aussi. Yoganisi biloko na otiko na otikele o muto. Mutozao. Mutozao te. C'est l'intelligence. C'est ça l'homme. Amen. Amen. Maintenant, quand Dieu dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Et l'homme qu'il a créé là-bas, c'était quoi? Il a mis. C'est l'intelligence qu'il a introduit. Parce que c'était une masse informe. David l'a dit, quand j'étais une masse informe. Il ne s'appelle pas un homme. David ne dit pas que quand j'étais un homme. Il dit quand j'étais une masse. La masse est partout. Dans l'objet, il y a la masse. La chèvre, il y a la masse. Le vache, c'est une masse. La masse, c'est la masse. La pierre, c'est une masse. Ça n'a rien à voir. Quand j'étais qu'une masse. Voyez? Donc c'était la masse informe. Maintenant, il fallait que Dieu fasse de cette masse un homme. Comment? Proverbe 38. Quand il dit, en réalité, dans l'homme, Job. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Dans la réalité. Oh, vous avez dit, vous avez dit, réalité. Vous avez dit, parce qu'il y a des robots. Maintenant, on a fabriqué des robots. Si tu les vois assis là-bas, hein, tu entres dans une pièce ou au salon, tu te trouves assis. Yo mutoye bina noté o komona ke mutoye batibaza wate muta kote wate osaka yo moko ezate ke o komona o poupée non ça dit au moins benza au moins benza mutu mais ça ça masse d'ailleurs aujourd'hui même il y a certains robots yo écoute ils ont crédité ba mis sur tout ça oui peut tourner puis à répondre maintenant, l'esprit, le souffle qui donne l'intelligence, donc le souffle là c'était l'intelligence en fait parce que le souffle là donc, c'est l'intelligence d'intelligence nous avons bâti l'intelligence de sali, moutou
Maintenant, oui. Donc c'est Dieu qui régresse, ce n'est pas les dieux en dehors de toi. Nous disons que Dieu créa l'homme. Qu'est-ce que nous disons? Dieu, c'est comment Dieu crée l'intelligence en toi? Comment il crée? Voilà. Le Dieu scientifique, ils sont là. Les dieux scientistes, scientifiques, sont là. Les dieux juristes. Hein? Parce qu'il faut prendre les dieux dans ses formes. Les dieux de droit. Comment il crée? S'il veut créer l'intelligence du droit, c'est pas de cours. Et dans la Bible aussi, Dieu, c'est la parole. C'est la parole qui amène l'intelligence. Point barre. Alors, quand la parole arrive, c'est pour que tu sois renouvelé. Parce qu'on a dit, le renouvellement de l'intelligence, pas la parole de la vérité. Vous voyez, c'est par la parole. Les gens ne sont pas là. Les gens ont un bâton. Un bâton magique. C'est par la parole. Donc, par la parole comment? C'est-à-dire pendant qu'on t'enseigne, pendant qu'on te prêche. Pendant que tu médites, par exemple, et tu as l'intelligence de Dieu. L'intelligence de Makambanza. Donc ce Dieu-là, c'est l'opposant. Maintenant, il regrettera quand? Ce n'est pas Dieu en dehors de toi. C'est toi-même. C'est toi-même quand avec tout ça, et puis tu te retrouves parfois tout ça, les remords. C'est ça maintenant là que Dieu il regrette, mais il se répand d'avoir dit à quoi bon le beau vraiment il a sonné. Amen. C'est ça maintenant que la Bible parlera que Dieu se répand. C'est pas Dieu en dehors de toi, c'est Dieu en toi. Yomoku. Conscience à vos âmes. Amen. 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 Mon esprit est Zagaka. Nous avons une différence. Nous avons une différence. Avoir appris naba mignon sur la cour d'académie naba tiquet naba mou la bouée non forcé kaka non kendaka naba risque la banzina ma mignon sur son gaba boutou et moua salem ma colo tina que nous soit transport ce qui wapi si du moins je n'arrive pas même au yuboué pour que je puisse démontrer la parole que je possède. Voilà comment Dieu se répand ou il regrette. Parce que la Bible dit là-bas que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Mais comment ici encore Dieu s'est repenti? C'est qu'elle est en train de se contredire. Amen. Amen. Voilà. Donc ce sont des étapes. Ce sont tes propres étapes où ça arrive à chacun de nous. À tout celui qui est dans la voie de Dieu, dans les chemins de Dieu. Ça arrive, donc il y a des moments où on se retrouve buté, et on a des remords. Pas parce qu'on manque les finances, tout ça, parce qu'on ne parvient pas à marcher selon, conformé à la parole de Dieu, ou bien faire la volonté de Dieu. Donc c'est ça. Papa, ma question est celle-ci. J'aimerais savoir la différence entre l'écriture et la parole. Parce que dans plusieurs églises, quand tu leur dis, par exemple, si par exemple vous êtes en train de discuter, tu dis par exemple, ça tu es dans l'écriture, tu n'es pas dans la parole de Dieu, il te dit, la Bible dit. Maintenant, j'aimerais savoir cette différence-là spirituellement parlant. Parce que la Bible dit, l'écriture tue. Mais la parole que je vous ai donnée, son esprit est vie. Maintenant, j'aimerais savoir cette différence-là, parce que tout sort dans la Bible. Merci. Bon, la différence.
Bon, je voulais te donner réponse à l'esprit de ta question. Ça, je cherche. Bon, d'emblée d'abord, par rapport à celui qui, on peut d'abord entrer selon la parole de Dieu, enfin, selon la Bible, pour montrer ne fût-ce que cette différence sous le plan des Écritures. La Bible est dit dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3, partant du troisième verset. 2 Corinthiens chapitre 3, le troisième verset. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Amen. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Écrite par notre ministère. Écrite par notre ministère. Non avec de l'encre. Non avec de l'encre. Mais avec l'esprit du Dieu vivant. Donc là, on nous fait voir déjà deux écritures. Amen. Ou deux paroles. Si nous sommes d'accord que l'écriture, c'est la parole, pas de problème. Si l'écriture est la parole, ok, pas de problème. Mais nous avons déjà deux paroles ou deux écritures. La première, elle est écrite avec de l'encre. Exemple, la Bible. C'est avec de l'encre. Hein? Amen. Amen. Donc, tu peux déjà montrer que la Bible, c'est la première écriture. Parce qu'elle est écrite avec de l'encre. Mais la deuxième écriture, elle est écrite avec l'esprit du Dieu vivant. Dieu vivant. Où se trouvait-elle? Non sur des tables de pierre. Voilà. Non sur des tables de pierre, c'est-à-dire, dans les temps, on écrit sur des pierres, sur des parchemins, sur des bois. Carrément, c'est ça. Parce que les papiers viennent du bois. Donc, c'est ça. Avec l'encre, on écrit nécessairement, généralement sur le bois, sur les tables de pierre. Mais sur des tables de chair, sur le cœur. Donc, la deuxième parole, elle est écrite dans le cœur. Amen. 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 Elle est écrite dans le cœur. Maintenant, de quelle de ces deux paroles ou de ces deux écritures, laquelle est l'écriture sainte? Amen. Amen. Nous allons voir qu'on se conviendra de ce qui a précédé. Nous dirons que la deuxième, elle est l'écriture sainte parce que c'est cela l'écriture de Christ. Parce qu'on dit l'écriture de Christ, elle est écrite avec l'esprit dans le cœur. Donc si nous voulons lire les paroles de Christ, n'est-ce pas? C'est dans le cœur. Amen. Amen. Écrit dans le cœur par qui? Par les apôtres. Comment ont-elles écrit cela? Avec l'esprit. Amen. Amen. Bon, ils ont écrit avec l'esprit comment? Amen. Comment ils ont écrit avec l'esprit? Ils n'ont pas utilisé la plume, les stylos, l'encre. Mais ils ont utilisé quoi? L'esprit. Amen, amen. Comment? Oui, continuez seulement la lecture. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Oui. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, la lettre, là, c'est-à-dire la première écriture, avec de l'encre, ça donne la mort. Amen. C'est-à-dire, la Bible, passée avec de l'encre, ça donne la mort. S'il y a des guerres dans le monde, il y a eu des guerres, des massacres, des divisions, des doctrines et des sectes, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes des nains, des catholiques, des nains, des nains, des nains, des nains, au lieu d'y nuire, ça a divisé. Amen. Amen. Ça sémait la haine. N'est-ce pas? Même entre les chrétiens, il y a la haine. Mais nous tous, même chez les bizambizambi, c'est la Bible. Chez les autres, la Bible. Ici, c'est la Bible. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Amen. Et on dit maintenant, mais c'est l'esprit qui vivifie. Or, on dit que l'esprit, c'est ce qui est écrit dans au niveau du cœur. Donc, si nous voulons avoir une parole qui donne la vie, devrons aller au cœur et lire au cœur.
de ceux-là qui ont reçu l'Écriture. Comment ont-ils reçu l'Écriture? Comment est-ce que les apôtres ont écrit? Je dis, ils ont écrit avec l'Esprit. Comment on peut écrire avec l'Esprit? Amen. 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 Prenez Psaume. Psaume 45, 1, tu descends. Premier verset qui dit. Psaume 45, le premier. Au chef des chantres, sur les lys, des fils de Corée, cantique chant d'amour. Mm-hmm. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Mm-hmm. J'ai dit, mon œuvre est pour toi, pour le roi. Mon œuvre est pour le roi. Mm. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Amen. Amen. Tu vois la plume qu'ils ont utilisée. La plume, c'est-à-dire les stylos. Mm. Ils ont utilisé quoi? La plume. La langue. Amen. Le parole. Donc, c'est pour ça que les apôtres disent que non, vous, c'est vous qui êtes maintenant la Bible là, la lettre là, le livre. Mais comment nous écrivons? Nous écrivons avec l'esprit du Dieu vivant. Cet esprit-là, c'est quoi? C'est la langue, c'est-à-dire le parole. C'est-à-dire, quand je prêche, quand je dis là, je suis en train d'écrire. Amen. Amen. C'est ça l'écriture de Christ. Et ces paroles que j'ai dites sont esprit. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, c'est-à-dire, ce sont les paroles que Jésus avait dites à ses disciples. Amen. Qui sont restées dans le cœur des disciples. Et qu'il leur avait dit ceci. Amen. Amen. Matthieu 28. 19 au Kiti. Ou bien, allez. Oui, oui. 28, 19. Ok. Comme ça, rapidement. Oui. Matthieu 28, 19. Allez. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations. Parce que ce sont ceux-là qui étaient ces livres. Jésus n'avait pas confiance, je peux dire c'est plus fort, mais il ne les avait pas envoyés avec votre Bible ici. Non, ils en avaient comme témoin. C'est juste un témoin. Amen. 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 C'était juste un témoin. Il dit non, Moïse, il rend témoignage de moi. C'est-à-dire, ce que vous lisez là, ça rend témoignage ceci. Mais sinon, il ne les avait pas envoyés avec les Écritures, parce que ce n'était pas la mort. Jésus n'est pas venu avec un ministère de la mort. Il est venu pour donner la vie. Et il savait que la vie ne passera pas dans les Écritures. Amen. La vie passe par les paroles du Christ. Et ces paroles, il les avait mises dans le cœur de ses apôtres, de ses disciples. Et ces paroles, il a dit, allez maintenant, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce que Jésus avait prescrit. Prescrit, c'est quoi? Écrit, non? Bon, pourquoi il a encore écrit? Parce que c'est déjà écrit. Amen. Amen. Parce qu'il y avait déjà là, il y avait déjà les Écritures. Maintenant, pourquoi Jésus devrait-il écrire? Et s'il a écrit, où est son livre? Où est son livre? Son livre qu'il a écrit. Ce qu'il a prescrit, il a écrit. Où est ce livre? Mais ce livre-là, c'est qui? Jésus n'a jamais écrit. Alléluia. Mais il a écrit. Il a écrit comment? Par l'Esprit. C'est-à-dire par les paroles. C'était dans leur cœur. Et quand ils allaient avec tout ce qui était dans leur cœur, ce qu'on les avait dit. C'est-à-dire, c'est ça la parole inspirée. Amen. 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 Et c'est ce que nous prêchons ici. On ne prêche pas pour vous dire, non, la Bible dit, c'est le Seigneur. Non, on ne répète pas. C'est-à-dire, nous prenons la Bible comme témoin. Amen. Mais nous avons les écrits de l'Esprit, les écrits de Christ, la vie qu'on vous donne. Mais il fallait maintenant faire sortir comme témoin. Qui sont les Écritures, juste pour témoigner. Amen. À la parole de la vérité. Donc, nous avons une différence entre les Écritures et la parole de vie. Et la parole de vie, ça se donne de bouche à bouche, du maître au disciple. Amen, amen, amen. Ça se transmet du maître au disciple. Alléluia. Amen. Relisez Jean. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Alléluia. Amen. Bon, mais quoi ça? Vous pensez? Si Jésus savait que les Écritures donnaient la vie,
n'allez pas leur dire cela. Amen. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Amen. Au Canessa, les Écritures qu'ils sondaient, les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, c'était quoi? C'était justement la Bible. C'est-à-dire les Saintes Écritures. Amen. Moïse, Genèse et tout ça, Deutéronome, la loi, les 10 commandements, Esaïe, ils avaient les livres de Zacharie, Ézéchiel, tous les prophètes. Amen, amen. Amen. Vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage. Non, c'est juste les Écritures, c'est pas la parole, ça n'est pas la parole de Dieu. C'est pas la parole de vie. Mais c'est juste un témoignage. Amen. Doit rendre témoignage à moi. Moi c'est qui? Le moi là c'est qui? Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Moi là c'est qui? Tu dirais Jésus. Mais Jésus c'est quoi? Moi. Il rend témoignage de moi. Moi là c'est qui? C'est moi la parole. Alléluia. Amen. Jean chapitre 8. 24 qui dit. Mais tu lis un peu l'entête. Jean 8, 24. Discours de Jésus sur sa mission divine. Oui. Il fallait qu'il explique sa mission. Quelle est ta mission? Il avait une mission. Maintenant, il fallait qu'il puisse discourir, c'est-à-dire qu'il puisse parler un peu de ça, de sa mission, pour que les gens comprennent réellement quelle est sa mission. Par rapport aux autres, parce qu'il y avait plusieurs missions. Moïse avait sa mission, n'est-ce pas? Noé avait sa mission de construire l'arche. Amen. Abraham avait sa mission, n'est-ce pas? Tout le monde avait des missions, avait sa mission. Maintenant, Jésus aussi avait une mission. Maintenant, il fallait parler de sa mission. 24. C'est pourquoi je vous ai dit. C'est pour ça, c'est pourquoi je vous ai dit. Que vous mourrez dans vos péchés. Donc, vous, avec vos écritures, avec la lettre, avec les écritures que vous êtes en train de sonder, vous mouriez dans vos péchés. Au coup fati na masumu na yo na makomi wa no tanga bible mikonyos tanga mikonyos o il est écrit bible lobi au coup fa na masumu. Vous mouriez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis. Ah, le problème c'est que de croire ce que je suis, ce que je suis, c'est-à-dire je suis eza komo na yo te. Non, moi, c'est. Là, c'est. Evelyne. Moi, c'est la sœur Evelyne. Mais je suis. Quand on dit je suis, tu es qui? Tu es. Quand on dit je suis, c'est pas le nom, là. Quand on dit je suis, on ne veut plus savoir le nom. Donc, c'est comme si on veut entrer en profondeur, à l'intérieur. Hein? Donc, je suis, ce que je suis, je suis. Vous êtes qui? Moi, je suis le président. Moi, vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes. Je suis le président de l'Assemblée. C'est moi le chef. Cette juridiction ici, c'est moi le. Tu vois, c'est sous ma responsabilité. Oui, je suis, on veut savoir la fonction. Ce n'est pas, on dit, je suis, moi, je suis monsieur Alain. Non, c'est pas vraiment. C'est pas ce que... Amen. Si tu savais ce que je suis, tu n'allais pas dire ça. Tu es quoi? Moi, je te connais. Toi, tu me connais. Mais soit, c'est glorieux. Oui, il ne connaît pas bien. Mais il a dit, il a cité ton nom. Tu ignores ce que je suis. Je suis, c'est vraiment la fonction. Ce que tu es capable de faire. Amen. Donc, ta capacité. Tu es capable de quoi? Ce que tu es. Alors, Jésus aussi dit, si, parce que tous ces gens-là, connaissait son père Joseph, connaissait sa mère Marie, connaissait Jésus bien, tout ça. Mais il dit, si vous connaissez ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Maintenant, il dit, bon, ils se disent, mais finalement, on le connaît. Jésus est coquille karaté. Bon, nani wana Nazareth wite. Bon, yozana. Bon, mon nom est Moutou. Moi, même connu, ça y est, mon nom est Zandengai. Yozana. Yozana ni. Yozana.
Finalement, Yosa, Ozana, qu'est-ce que tu pèses? Amen. 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 Qu'est-ce que tu pèses sur le plan spirituel? Yosanan, tu vois Moïse. Hein? Tu vois lui comment il pèse là-bas. Hein? Nous savons les Élie aussi, tout ça. Bon, toi. Hein? Finalement, qui es-tu? Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Ce que je vous dis dès le commencement. Bon, ce que je vous dis dès le commencement. Il n'a pas dit c'est lui. Celui dont je vous disais dès le commencement. Il dit ce que. Ça veut dire Eloko. Je suis ce que je vous ai dit. Mais je suis celui que je vous ai dit. Ça s'est dit. Oui. Mais ce sont des contestes. Je suis celui que je vous ai dit. Je suis ce que. Ce, ça veut dire une chose. Oyo nebisa kio. Naza oyo nebisa kabino. Naza oyo 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 nebisa kabino. Mais naza oyo nebisa kio. Parce que eloko wana, ce que je vous ai dit, c'était quoi? Dès le commencement. Amen. Amen. Dès le commencement. Il avait commencé avec quoi? Commencement. Il avait commencé quoi? C'est justement la parole. C'est-à-dire la parole de l'esprit. Amen. Le message spirituel. C'est ce qu'il disait, moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Donc la parole, c'est ça moi. Donc ça dit, c'est ça la parole. Mais vous vous accrochez aux écritures. Mais cette parole-là, on la donne. Je suis venu vous donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire, je suis venu vous donner ce que je ne peux pas dire à tout le monde. Amen, amen. Amen. Prenez Matthieu. Matthieu 13. Neuf, Kitty. Matthieu 13, le 9e. En tête parabole du semeur, livré du grain de sénévé, du levain, du trésor caché, de la perle, du filet. 9e. Et celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit. Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Amen. Voyez ce qu'il a dit. Je suis ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, ce qu'il est venu avec pour annoncer, pour donner, pour transmettre, c'était le mystère du royaume. Le mystère du royaume. Et c'est ça la parole de Dieu. Mais ce mystère n'est pas donné à tout le monde. C'est à vous qu'a été donné de connaître. Mais ceux qui sont en dehors, cela ne leur a pas été en parabole. En parabole, c'est-à-dire, les écritures, ce sont des paraboles. Et puis ça met les bangos, mais n'entendez pas la parabole. C'est-à-dire tout le monde a accès à la Bible. Mais sachez que tout ce qui est écrit ici, c'est comme des paraboles. Ils en connaissent, mais sous forme de paraboles. Moi, c'est athée. Parabole. Moi, c'est à l'obanda qu'on s'embête. Baye bango, mais n'entendez pas la parabole. Tu dois te reposer et respecter le jour du sabbat. N'entendez pas la parabole. Celui qui mange mon corps et boit mon sang, la vie éternelle. N'entends pas la parabole. Si tu n'es pas baptisé d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. N'entends pas la parabole. Pas très bien, beaucoup. Amen. Que l'homme ne porte pas l'habillement des femmes. Qu'ils en connaissent comme ça, mais en parabole. Donc, tout ce qui est comme écriture des langues, ce sont
sont des paraboles. Amen. Amen. Parce que quand Dieu parlait aux prophètes, il leur parlait dans, sous forme de paraboles et des songes, des visions. Amen, amen. Amen. Voilà. En fait, comme Marc 4, 33-34. Marc 4, 33. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur a annoncé la parole. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur a annoncé la parole. Selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Est-ce qu'ils sont capables d'entendre les paraboles? Est-ce qu'ils sont capables? Oui, la parole me parle des paraboles. Mais on ne sait pas s'ils seront capables d'entendre. Continuez. Il ne leur parla point sans parabole. Jamais sans parabole. Jamais. De la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Que celui qui veut me suivre, qui porte sa croix. Et qu'il me suive. Amen. L'entendre. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. La femme qui a la perte de sang, tout objet qu'il touchera, surtout tout lit où il se couchera, tout objet qu'elle possédera sera souillé et impur jusqu'au soir. C'est l'homme que Dieu est capable d'entendre. Ici que dans d'autres églises, quand la femme est dans ce tableau, pratiquement, on n'est encore pas au lit. À Roland, ma paix, il faut suivre. Pour vous voir la paix, comment suivre. Mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Amen. C'est que la parole, les écritures, ont encore besoin d'être expliquées. Amen. Les écritures doivent être expliquées. Il ne faut pas les donner telles que. Amen. Il faut les expliquer. On explique quelque chose qui est explicable. Qu'est-ce qui est explicable? C'est-à-dire, difficile à comprendre. N'ayez expliqué où vous faut. C'est pas explicable. Alléluia. Pour un Congolais, le foufou n'est pas explicable. Même le foufou n'arrive pas à être britannique. Il dit foufou déjà très bien. Quoi? C'est pas explicable. Donc, voilà. Amen, amen. Amen. Voilà. Merci. Tu as compris? Acte 17, 24. Acte 17, le 24. Les dieux qui a fait le monde et tous ceux qui s'y trouvent, étant les seigneurs du ciel et de la terre, n'habitent point dans des temples faits de mains d'hommes. Yes. Bon, question à vous, temple, alors, ça y est, on peut pas là. Et ça, quand vous venez, vous avez un peu de spirituel. Si c'est spirituel, on peut expliquer. Mais si c'est physique, expliquez-moi. C'est pas explicable. Si c'est physique, c'est pas explicable. Amen, amen. Amen. Bon. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Amen. 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 Et tu ajoutes, on ajoute encore, il ne peut être servi. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Ah, ça aussi c'est grave. Amen. Même pas être servi des mains. Amen. Amen. Donc, Moscou, maintenant là, Toto, non, c'est la Bible qu'on a là. Donc, Aboui. Oui.
Je ne sais pas si la Bible est dans le cadre de la Bible. Pas de mains humaines. Utilisez d'autres mains. Amen. Mais maintenant, l'imposition des mains. Vous imposerez les mains, hein? C'est que les mains qu'on donne, qu'on dit de déposer les arbres, ce n'est pas des mains humaines. Parce qu'on dit vous imposerez les mains, on n'a pas dit vos mains. On n'a pas dit que vous imposerez vos mains aux malades qui seront vieux. Vous imposerez les mains. Yanan. Yanan. Mais, maman, piouf. Est-ce que Zambé, on va nous servir pour y aller d'après si vous dites. Ce qu'on sait, il y a un peu aux autres, il y en a. Amen. 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 C'est compliqué. Donc quand tu imposes les mains aux malades, il faut les mains des anges. Apparemment, il faut au moins les mains des anges. Zama boka ba jeter dans une bouteille de colo. Voilà de vous servir nous en fait. Ah, moi là, t'as oublié gâté. Pas lui. Vous n'avez pas entendu ma boka dans les ayayou. Non, pas ça. Là, mais Zama boka non dit. Et quand Dieu a dit apporte, apporte l'offrande, apporte la dîme. Vous voyez, moi là, ma boka non dit. Vous voyez, moi là, ma boka non dit. Ne venez pas mes vides, mes vides, ouana, ni ayoté. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible qui le déclare. Il n'est pas servi par des mains. Amen. Amen. Tu veux faire l'onction d'huile. Onction d'huile. Tout ça. Mais c'est bien bon. Faites le service de Dieu. Oh, j'avais un grand service. Avec quelle main? Tu t'es servi de quelle main? Pas les mains humaines, pas les mains de l'homme. Il faut prendre les mains, je ne sais pas. Ce qui est un exemple, il faut oublier un génial. C'est ça. Parce que les anges aussi demeurent. On a vu Paul et Pierre. L'ange est venu laver, toucher sur la côte. Pétiez-vous ici. Amen. Amen. Voilà. Mais je ne suis pas là-bas. Ça, c'est une idée. Je comprends ta question. Mais ta question est de savoir les temples. Est-ce que ça dénie les consultes des mains? C'est ça que je voulais d'abord, parce que les consultes des mains, les temples consultes des mains, il faut d'abord qu'on connaisse aussi les mains. Oui, le sang. Amen, amen. Amen. Bon, généralement, oui. Bon, quand vous construisez un bâtiment, un édifice, et vous dites, vous écrivez d'ailleurs, le temple tabernacle, tabernacle, hein, avec du salut. Maison de Dieu. Dans mon exemple, d'abord les gens ont utilisé, ils ont donné de l'argent pour la construction du temple. Et puis on fait même la dédicace du temple. On doit dédier le temple aujourd'hui. C'est que vous venez de construire le temple de Dieu. On a compris ça, sa mission. Mais la maison que vous venez de construire, le temple que tu viens de construire, de bâtir, c'était construit avec quelle main? Justement, ce sont les mains humaines que l'on construit. Sont les ingénieurs, les maçons, pendant qu'ils vont contre-maître, les maçons, les ingénieurs, les architectes. Ce sont des mains humaines. Nous sommes les charpentiers, tous ces mondes-là. Donc c'est pas ça. Il dit non, moi je n'habite pas là-bas. Donc c'est zéro. Non, maintenant, nous sommes dans ton moyo, zéro. Nous avons un fan de Kuna. Premier degré. N'est-ce pas? Premier degré. Premier marche. Mais sur cette première marche, combien de temps? Sauf que dans cette marche, je vais prendre combien de temps? Je vais franchir quand même une marche. Bon, on sort de là. N'est-ce pas? Alléluia. Bon, on sort de.
Prenez 1 Corinthiens chapitre 3. Maintenant la 10. 1 Corinthiens chapitre 3, le 10e. En division dans l'église de Corinthe. 10e. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Alléluia. Amen. Donc les architectes que Dieu appelle architecte, les abaou basi sakana, ibetebete. C'est pas ça qui termine à Esaou. Amen. Amen. Paul était architecte. Architecte, c'est-à-dire. Il y a Esaou, il y a ibetebete. Amen, amen. Amen. Il était architecte. Donc c'est-à-dire que tous les envoyés que Dieu envoie sont des architectes. Ils viennent comme construire. Ils ont comme mission de venir bâtir une habitation pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais c'est là il y a des fous. Parmi ces architectes, il y a des fous. Mais au moins, Paul se dit, se déclare ça. Sage architecte. Parce que moi, l'architecte est venu à Tonga. Donc quoi? Oui. Il y a trois niveaux, il a l'air. Alléluia, fou. Amen. T'as la place à Tiamo, à Tiamo, à Colonne. Quoi, ça n'est pas moi. T'as la fondation. Mais tout est ça, madame. Mais d'abord, Paul était un sage architecte. Amen. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire? Quelle maison que l'apôtre Paul a laissé? Quel bâtiment qu'il a laissé? Quel temple qu'il a bâti? Nous. Alléluia. Amen. Il a suivi son maître. Son maître qui a dit, détruisez ces temples et je les bâtirai. Donc lui aussi, Jésus. Était au Sénat et un architecte. Je les bâtirai en hein, 3 jours. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc tout cela vient pour bâtir le temple de Dieu. Mais il faut être sage, parce que si tu n'es pas sage. Alléluia. Amen. Continue, continue. J'ai posé les fondements comme un sage architecte. Comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alléluia. Amen. Que chacun donc prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Oui. Car personne ne peut poser un autre fondement. Personne ne peut poser un autre fondement. Que celui qui a été posé. Que celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc il y a des temples où qui sont bâtis par des fous architectes. Sans fondement. Ou bien un autre fondement. Amen. N'est-ce pas? Amen. Contraire à Christ. Donc ce temple-là, directement, Dieu va les. Il va refuser de venir habiter. Amen. Donc pour Dieu, il considéra que c'est bâti par les mains. Oh. Alléluia. Amen. Donc ça devient aussi. Alléluia. Amen. Maintenant, le bâtiment ou les temples construits par les apôtres ou bien les envoyés, que ce soit fou, que ce soit des sages, ces bâtiments, c'est quel genre de bâtiment? Ce ne sont que des personnes, des hommes, parce qu'ils sont venus prêcher, n'est-ce pas? Amen. Donc, les temples. C'est l'homme. Amen. Amen. Mais on peut avoir un homme construit avec des mains. Des mains humaines. Et un autre homme. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Donc il est là, un temple. Et 1 Corinthiens 3, 7. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça ne suffit pas. Tu seras le temple de Dieu si. Tu es construit normalement, selon les normes. Mais si tu es construit avec des mains d'hommes, Dieu n'habitera pas là-bas. Donc nous avons deux personnes. Amen. Maintenant il faut vérifier. Tu vois un temple, il faut maintenant vérifier si comment il a été construit, comment il a été construit, comment il a été bâti. Est-ce que le fondement, c'est le fondement qu'il faut regarder. C'est par là où on saura que c'est l'homme qui a bâti. Avec ses propres mains. Ou bien, c'est l'homme a bâti, mais avec les mains de Dieu. Amen. Il s'est servi des mains de Amen. Dieu. Amen. Le problème, c'est regarder le fond. C'est le fondement qui donne, qui détermine, hein, n'est-ce pas, le type du temple. Éphésiens 2:20. Éphésiens 2:20. Amen. Amen. Je pense que vous me suivez. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres. Quand on dit édifié, ça dit construit. Amen. Édifié vient du mot édifice. C'est-à-dire que vous avez été
bâti, élevé, édifié, ça veut dire construit sur le fondement des apôtres, le fondement des apôtres et des prophètes, et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ah, on doit voir dans les fondements, on doit chercher la pierre. Amen. La pierre là, angulaire qui donne la mesure pour déterminer que vraiment ça c'est le temple de Dieu. Il faut une pierre qui donne l'angle, qui donne le plan. Cette pierre là, si ça manque, c'est que ce sont les hommes qui ont construit. Alléluia. Amen. Amen. Fondement. Alléluia. Amen. Yo, voyez, on a. C'est là, on va dire ce que. L'ignorance est tue. L'ignorance est tue. Je suis amené. Il nous a donné la liberté. Tu vois ce truc? On va nous placer en sort pour la tout ça. On va tout la personne. Il faut des sacrifices impossibles. C'est-à-dire persévérance, soit là. Mais et là, les gens qui sont maillés, ça veut dire Christ est sorti. Amen. Amen, amen. Amen. Ne connaissant pas la justice de Dieu, ah, voilà, et cherchant à établir leur propre justice, voilà, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Malheureusement, il faut qu'on t'enseigne la justice de Dieu. Amen. Ce qui est juste dans la parole. Voilà ce qui est juste. Amen. Amen. Bon, ça va. Bon. Question à moi, les gens de 25-30 ans, tant les gens ont ici Moïse. Abissé, on peut ça chandelier d'or. Alors, la ligne est dans le registre. Tant que vous avez la chandelier, les amis. Et puis, pourquoi les gens ont exigé que les chandeliers ont les amis? Ah non! C'est ma question. Oui, lisez. Exode 25-31. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Ouais. Son pied, ça dit. Donc, ça dit, tu feras un chandelier d'or pur. Et la question est de savoir, le chandelier en question, c'est quoi? Et pourquoi devrait-elle être... Devait-il être un anneau? Apocalypse 1. Apocalypse 1, 19. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Les mystères de cette étoile que tu as vue dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or. Les sept chandeliers d'or. Oui. Les sept étoiles sont les anges de cette église. Les sept étoiles sont les anges de cette église. Cette église. Amen. Amen. Donc quand Dieu a dit, il plaça les lumières, le soleil, la lune et les étoiles pour éclairer la terre, la nuit. Et toi, loin, c'était des. Et les sept chandeliers sont les sept églises. Les anges. Les sept étoiles sont les anges. Les sept églises. Ce sont des anges. Les anges. Amen. Amen. Et les sept chandeliers. Les sept chandeliers sont les sept églises. Le chandelier, c'est quoi? C'est l'église. Comme l'académie, là. L'académie évangélique de Jésus, c'est un chant. Chandelier. Oui, le chandelier. Hein? Le chandelier. Oui, oui. Porteur de lumière. Pour la tirer à bouger. Ça va. Bravo. Dans chaque église. Chaque église.
avec une lumière, une lampe, comme la Bible s'est chantée. Amen. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci papa pour la parole. Question à mes amis. Elle n'est pas par rapport à ma miracle. Autrement, la famille ne sert pas. Vous en assoyez. Bonsoir. À cette prière, paix à mon lit. Du coup, à tout nier, on est au prière au nid. Et la personne sait déjà distinguer toutes les sortes de sa couleur. Maintenant, à tout nier, est-ce que, par le mot de des gens qu'on a habité, nous la monnaie. La monnaie est au côté, et puis la mot de la Zara, toujours en dedans. Mais quelque part, on le dit sous, Dieu est capable de tout. Alors, elle n'est pas, est-ce réellement. Même si Dieu est capable de tout, vous avez à liberté l'autre, à mon éloigné, qui sait déjà distinguer les couleurs. Question à moi et à moi, la grâce. C'est comme si on m'a dit. On m'a déjà. Aux autres goûter. Même si on m'aurait déjà besoin de tout. Bon. Bon, prenez toi et banano, langage ensemble. Quand tu parles avec lui, c'est des choses à l'heure. Bon, ça n'est pas parce que tu te reçois. Bon, on a un peu à Nous sommes dans le monde. Parce que la mission est à vie.
Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bon. Maintenant, Jésus peut aller pour la maman, il y a un verre. Et au fond, il y a un muscle. Jusqu'au jour que toi. Il y a un verre. Alors, il y a un verre, il y a un muscle, il y a un muscle. D'abord, le mot Bolobi. Non, nous toi, depuis la vie, dans votre main, il y a un verre. Donc, il y a un verre, il y a un verre. Oh, il y a un verre. Oh, rouge. Oh, il y a un verre. Oh, bleu. Il y a un verre qui est rouge, ouais. Il y a un verre bleu, ouais. Vous pouvez bien entendre, oh non, tu es capable. Pour ceux qui disent ça capable, le rôle de la colère. Parce que le rôle de la fumée, il y a des saillés, à la saillée, à l'aide du peuple. Vous êtes capable d'être ça. Rien de la saillée, à l'aide du peuple. Vous donc, rien de la saillée, rien de la saillée, nani. Mousolé. Voilà, oui, oh non, c'est trop là. Voilà, on va nous mettre en zone. Donc, yo, j'en ai pas fait pour la rouge, la manie. Alors, ça, 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 donc, tout ça, les abats, la banane va mentir. Et puis, il va couler rouge, en gros, comme un temps de ton de mon corps. Quand tu es sur la campagne, il va rouge, va couler, couler. Donc, avec un sourire, il va couler. Donc, si ça, vous prouvez qu'il y avait devant les autres, qu'elle va couler. Ou bien au bout de la aussi mal, si mal, les choses avec personne. Aussi mal. Attendez. C'est-à-dire, les alarmes. Amen. Et puis, ce total va nombre à l'aveugle, il faut que tu là, il y a eu lieu. Nous sommes en tête, dans le souffle de béton de solo, dans tous les attaques, sauf 1000, il va tous en tête. Moins 1000. Et puis, la campagne est banda. N'est-ce pas? Tel. Il fallait Nandi, c'est un martyr, il va faire comme on a dit. Nandi, il faut faire comme on a dit. Dans ce terrain, Saint-Thérèse, on va dire, oh, Nandi, Nandi, on va tout faire. Dans le TNMC, la campagne de Salama, il va faire, mais les lots, ça t'a, ça s'est bouqué, ça t'a sang, n'est-ce pas? Mais les lots sont dans tout le temps, mon co. Oh, yo, il est petit. Mon co, quand tu es là, il est mon co, quand tu es là, la conscience, là, il est là. Quand même, au temps de la vérité, tu es comme il va pas. Hein? Vous avez un abattu, 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 vous avez un abattu. On dirait que je ne vais pas ensemble. 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 Amen, amen. 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 Je suis allé ici à Lazare. N'est-ce pas? Je suis allé ici à Lazare. Oh! Yo, tu vois quand tu restes à Lazare. Ça n'a pas beau. Bah, c'est Jésus là. Celui qui a fait, c'était la sœur de Lazare que Jésus avait aidé. C'est-à-dire, la tigre a battu son monde. Oh, il y a lui, non, la Kinanawa. Même ma coca. Hein? Ma coca, oh, ma coca. Papa, va dit quoi, la gnosse. Si ma coca, on a un vélo, on a un colo. Pour qu'il y ait une église, on a un mur, on a un béquille. N'est-ce pas? Ma colo béquille. Nous avons besoin de ma béquille, tout ma colo béquille. Comment est-ce que tu as dit 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 que tu as dit. Je lui ai dit, sauf que ça lui m'a pour la soirée. Est-ce que vous vous? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, nous avons sous. D'autres, nous avons vu. Ah, on a un beach. Un beach, vous êtes là pour le café. Un sens handicapé, pas ça, voilà.
Donc, Isaac, Amen. Donc, vous voyez que les histoires, c'est pas possible. Les histoires, c'est terrible. Non, non, parce que Alléluia. Amen. Quand on met la Bible, on a mis 5 étoiles dans la Bible, on a mis 5 étoiles dans la personne. Accueillir. Oh non, accueillir, on a mis. Donc c'était des histoires. Parce que quand on a fait ce monde, 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 on a fait. C'est dans sa campagne, il y a des côtés de sa église. Nous sommes en train de venir dans l'équipe, nous sommes en train de venir dans l'équipe. Déjà, vous avez déjà passé au télé. Donc, tant que ça t'a déjà, nous sommes en train de venir, nous sommes en train de venir. Attends, la ligne, la ligne, c'est la ligne, c'est la ligne. La ligne, déjà. Donc, on a un mot, tant que les gens qui ont été déjà passés. La caméra vient, il est grave. Prenez bien, regardez comme ce que je suis capable de faire. Donc, personne, avec une traînée, il est essayé. C'est le jour de toujours de méditation. Dans un cacawan, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Amen. Parce que nous, on a accueilli. Okay. D'accord, on va nous faire un petit peu de temps. Pas mon donateur. Par le sous, plus nous encore, à quel moment on a un dispensaire. Plate. Pour plate, déjà, on a un problème. Tu l'as banni, on a un banni, on a un banni, tout le monde vient. Je vais en aller à Zaga. Rien possible. Ok, ça y est. Ah oui, voilà, il y a la ciseau. Ciseau pépine. Est-ce que il va être. La ciseau pépine. Vous allez voir. Dans 14 ans, on va la ciseau. Vous allez voir, c'est bien. Vous allez en foi, à l'agir. Parce que ceux qui ont la terre, vous allez me dire. Nous donnons la terre, mais au cas. Alors, c'est exactement bien. Souffrir dans la mort, pendant un an, ils en ont. Vous allez avoir 4. Vous allez dire, c'est ta mère, ta mère, ta mère. Et c'est quoi? Après, on a le maintenant celui qui a 100 dollars, c'est lui. C'est au moins des gens. Oh, au moins des amours. Oh, au moins des amours. Ah, maintenant, il y a des amours. Donc, il faut se décider. Pour d'après, Bazawapi, quel vendait la bisou? Bisou, tout ça, la chaîne, la bisou, le petit, pour y aller à la toile, la bisou, la monna. Pour la tamola, n'est-ce pas? Mais le culte spécial de tous ceux qui ont été guéris par les miracles de Jésus Christ. C'est une émission spéciale dans vous soyez. Ce sont des bêtises. Mais je ne dis pas que Jésus n'est pas capable de guérir. Que Dieu n'est pas capable de guérir, d'ouvrir même les aveugles, je ne sais pas, les aveugles de guérir. Non, c'est possible et c'est vrai. Mais seulement, il faut avoir la concentration qu'il faut. Alors, M. Tonki, la mission de la Zélanie, à mes coups, c'est faut qu'il y ait la concentration parce que le Seigneur m'a réveillé. Alors, tu peux gagner un spectacle pour tirer des bénéfices. Amen, amen. Et amen. Et l'autre conséquence, c'est le diable. Maintenant, ça sème les doutes.
dans les cœurs des gens. Et ça dit qu'à toi, il y a une communauté. Et ça dit que le miracle maintenant est comme Kokima. Parce que maintenant, il n'y a plus la foi. Les gens ont, vous savez, nous-mêmes, les secteurs, nous avons enlevé la foi dans Katana. Imaginez-vous que ça, il est comme quoi. À moi, il y a la population. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puis encore, imaginez quelqu'un me dit, mais comment est tout ça par rapport à des fonds, hein, des fonds, qui seront payés, je vais me rappeler des pasteurs, que ce n'est pas 1000 dollars. Mais bien, c'est bien en acte. Et vous avez quoi, après des fonds, quand il y a 1000 dollars, hein, ils ont mis nous. Ou bien, aux hommes, c'est là. Comme ça, pas plus loin, les autres enseignent. Là, il y a une motivation. Comment on apporte, qu'est-ce que tu dis? Mais, le mieux, c'est de dire, comment on appelle ce que tu dis? Motivation. Tout petit élément de diable, à côté de là-bas, tous les malheurs d'avoir la façon, nuance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous, nous devons savoir qu'est-ce que était le plus important de Père Lissamble chez Jésus quand il parlait des aveugles. Qu'est-ce qui est important? Jésus dit ceci dans Ésaïe 42, 18. Donc je pense que vous me comprenez. N'allumez que le miracle et ça m'a tapé. Et ça m'a tapé au Sagana. Nous allons regarder tout ça. Même nous avons pour faire ce qui. Les malades, les hôpitaux. M'envoyer ça là. Mais la faux. Là, il y a pour nous faire. Comme si. Il est ça que. Mais là, j'ai abordé ma question. On a 4 ans de vie. La banne est bénie. Il y a eu la vie au bout. De manière que moi, mon exemple, à qui m'en est l'Égypte? L'Égypte, c'est parti qu'il est bambou. Amen. En tête des cantiques nouveaux. C'est pour cela, nous, ici à l'Académie, nous voulons présenter le miracle. On refuse de présenter le miracle comme étant fondement ensemble. Parce qu'il y en a tellement faux que ça sera difficile de sauver. D'ailleurs, les gens se perdent par rapport à cela. Bah, tu vas dire partout. Comme ça, on est aussi dans la bâtisse. En fait, tu n'es pas dans la zone, mais en zone de miracle. Donc, ça commis pas dans la zone. Vous voyez, le bon amoni mandala la tête, amoni a été baissé qui était, à Zambou, dans la zambate, les gens dans la vie, les gens dans la vie, la tobi moi bien, soin, tout ça, on a eu un gars qui est mis à Zambou, les gens dans la vie, 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 alors, le bon amoni, ça va. C'est quand Jésus a dit ceci, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Parce que oh, ils ont des brigands, des miracles. Pas voler, pas brigands, ils ont bête ça, maîtriser. Ils tuent les âmes. On ne tue pas l'histoire des miracles. Tous ceux qui sont venus avant Massali, tous ces gens-là. Tellement, il y a un miracle, il y a déjà. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. On a une option financière. Option de mariage. Onction des livres, des voyages. Alors qu'il y a une action sous onction, la nuance, c'est ça la calcul. Parce qu'il y a les États-Unis, il y a le Japon, il y a la Libye, onction, onction financière, onction mariage, c'est arrêté. Par contre, nous avons onction, ça dit. Onction financière. Il y a des académies qui se passent, mais dans le Canada, l'Afrique, parce que le livre ici, l'absence de la parole, parce qu'ici, va passer, par exemple, on va passer. Donc, on est à Libye. Parce que, ok, l'histoire, l'évangile a mis sur la matière. Bon, qu'un apôtre, il y a les matériels. Mais on vient de se faire au Canada. Matériel pour l'amour. Bon, maintenant, tu vas prêcher encore quoi? Bah, tu vas voyager. Voyager, c'est un problème. Mais quand on a un hôtel, et même quand on a un hôtel, on a un hôtel, on a une place dans la minérité. On a une place dans la immigrée. On a nagé la mer, on a comme une boule. On a comme une boule. On a comme une boule. On a mer. Mais ça va tout le monde qui a un problème du Canada. Comment est-ce qu'il y a un problème du Canada?
Et dit même ici, jusqu'à ce que ici, à votre Zalia, l'église est en plongée. L'église est en plongée. Dans ta académie, vous allez dire, vous ne pouvez pas aller à Zakawana. Vous n'avez pas besoin de faire ça. 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 Et puis c'est 3 mois au Kandama, ma terre est ici. Après 3 vacances, 2 mois, les autres. Il vient sous ce zone. Il y a un matériel, ma terre. On lui a une voiture, ok, pour la place, la voiture, la voiture, la voiture. Il y a 6 cas sachés. Ok, tout le monde, le salaka. D'abord, on va se mettre, si tu veux prendre une voiture, venez prendre. Il va te dire que si il signe un mot, il va te dire que si il va te dire que ça va, aujourd'hui, on va te dire que c'est 50 euros, 50 euros, 50 dollars, 50 dollars, 100 dollars, ça fait une moitié, ça fait 10 ans. Mais il y a des gens qui ont dit que c'est un peu plus facile à voir. Il y a des gens qui ont dit que c'est un peu plus facile à voir. Il y a des gens qui ont dit que c'est un peu plus facile. C'est tout le monde. Maintenant, on était à Nîmes. Amen. Amen. Donc, ils ont du mal, pas des paroles. Ah puis, maintenant, parole, oh, mais qui a aboyé? L'église moko. Quand alors ça me là. Moi, René a beaucoup à prier maintenant. Et le nom de ça, intercession. Mais sinon, c'est le coup, ils sont tous. Nous bagarres ici. Et donc, parce que l'église vient de la terre. Moi, ils avaient. Moi, ça dit, papa, ce que ah, vraiment, ma maman, à ce moment-là, on a dit ça. Moi, je vous ai dit, vous avez un an. Vous avez place, vous voyez, vous avez un an, 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 quand les matériaux parlent, ils parlent. Ils parlent à la cause, c'est pas d'abord, ils refusent même. Pendant ma borsale, moi, c'est moi, c'est un bal à Banda, peut-être que je parle, pas à 40 ans. Je sais que je réalise mon test. Pendant le temps, nous sommes naïfs, nous n'en pouvons plus. Mon bal, alors, je vais voir ça les nuits. Mais quand je vais dans un bal, ils ont été connus pour tout le bal. Est-ce que vous avez le bal? Les années passent. Les gens dépassent. Si vous passez la nez, nous sommes dans la balle, dans le matin, nous sommes dans le matin. Pour nous, nous sommes dans la classe, nous sommes dans la tout ce que nous devons prendre en charge, nous devons prendre en charge. Mais nous sommes dans la balle. Nous sommes dans la balle, nous sommes dans la balle. Il y a même des agarres, nous vivons pas le coup. Sauf les agarres, 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 sauf les agarres,
Aveugle, regardez et voyez. On va les mettre au couffin. On va les mettre au couffin. Parce qu'ils ont la même harmonie. Quand on se la fan, il y a un peu de bien. Ce qu'il y a à nous. On met ce qu'on 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 a à nous. On Sourd, écoutez. Aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle? Sinon mon serviteur est sourd comme mon messager que j'envoie. Ah bon? Yo, moi, n'est pas aveugle. Aveugle, les amis. Les gens ont l'unité, le centre aveugle. Sourd est dans l'unité. Babi, qui est aveugle? Yo, il va gagner. Donc, va sourd, écoutez, aveugle. Voyez, les amis. Babi, ils ont la serviteur dans la. Amen. Ne va sourd, ne va aveugle. Les aveugles verront, les gens de la serviteur. Dans le sein. Dans le monde. Les sourds entendront. Les gens de la serviteur au sein. Dans le monde. Dieu, je vais la sourd. Dans le pays là-bas. Alléluia. Amen. Tant que tu vois. C'est compliqué. Jésus dira, je suis venu dans ce monde pour que, pour un jugement, pour que ceux qui voient deviennent aveugle. Et ceux qui sont aveugles sont aveugles. Parce que aujourd'hui, tu as pas ça, parce que au côté. Moi, si Alo Bananda pas en mété, allez écoute. Tu as besoin de toi, allez écoute. Moi, si Azana qui t'a mal. Aveugle, on a pourquoi Azaki Kolandaye, pour faire à la télé, 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 à
Tu vois là, c'est monsieur. Et puis, il y a sa fongo de l'Isabé, qui est là, sur la nuit, à ma yannine, assis. Vous voyez, il va ici. A-t-il n'est dans mon douté. A-t-il n'est dans mon douté, avec l'eau sur la main, assis. C'est que nous, avec l'Isabé, c'est loué. Hein? Aïe, c'est là, c'est loué. Donc, après, il va les faire, il va fongo de l'Isabé, pour assez conseil. Parce qu'on va battre dans les bouts. Ce sont des aveugles qui conduisent. C'est-à-dire, Azam, on peut me battre dans les bouts. Amen. Pour ça, on fait mon émis, pour ça, on fait ma pébé. Amen. Oh, bah, au monde. Quoi, tu veux pas? Amen. Si on essaie de dire, il y a mon niveau. 100 dollars, vous voyez la 10 dollars, c'est la team de Dieu. T'as la veille, gros. Je suis où t'as naï. Maman, ma pote, la muse. Et tu sois énorme, donc avant tout, il faut mourir. Et tu sais que la voix de la pauvre, l'esprit, c'est pas mal. Amen.